Mon nom est Pascal Dufault, je viens de Montréal, je suis né en France, mais je pratique à Montréal. Je suis à Kitchener dans le cadre de la résidence croisée Kafka et Christie Digital. Je suis là depuis le mois de début janvier jusqu'à la fin mars. Le titre de la pièce dans laquelle je me trouve, ça s'appelle « The Cosmos in Which We Live ». Cette pièce est composée principalement de trois machines vidéocinétiques. Ces machines déplacent des caméras vidéo en circuit fermé. Et donc, ce qu'on voit sur les écrans, c'est le retour vidéo avec un certain délai de 3 secondes qui est projeté. Donc, ça provoque toute une série d'effets, de feedback vidéo et de mise en abîme de l'image dans l'image. Donc la technologie que j'utilise est finalement quand même assez simple. C'est principalement donc des caméras qui sont mises en motion avec un système motorisé. La vidéo qui provient des machines est ensuite envoyée dans un logiciel qui traite l'image et ajoute ce léger délai vidéo. Ensuite, le signal vidéo est retransmis dans ces projecteurs. Et donc, ce qu'on voit sur les écrans est uniquement produit par la mise en situation entre une caméra bougeant et refilmant continuellement sa propre image ou l'image de la machine voisine, etc. Donc, c'est l'interaction finalement entre ces trois machines et la mise en situation des écrans qui produit tous ces accidents vidéo. L'inspiration de cette pièce elle joue à différents niveaux. À la fois, c'est un désir de vouloir détourner la vidéosurveillance pour en faire plutôt que ça, la sortir un peu de la logique 1984 puis le côté Big Brother Watching You. C'est plutôt pour en faire finalement quelque chose un petit peu plus joyeux. Quelque part, on pourrait dire comme d'utiliser la vidéosurveillance comme un outil pour créer une espèce de méditation sur la réalité, sur l'instant présent. Donc ça, c'est un aspect d'inspiration. Et l'autre inspiration aussi très forte, c'est finalement toutes ces sondes qu'on envoie sur d'autres planètes et qui nous donnent à voir finalement l'incroyable immensité du cosmos dans lequel on est. Donc, quelque part, mon idée est un peu qu'en plaçant dans le monde familier, un instrument un peu de cette nature-là, ça donne à voir quelque part le monde de tous les jours, comme si on le voyait à travers une perspective cosmique. L'expérience de travailler avec Christie, qui pour moi en tout cas est vraiment comme une nouveauté, c'est d'avoir accès donc à la technologie des projecteurs de Christie, donc cette qualité, la clarté, la qualité de cette image-là. Ça, c'est pour moi, c'était la première fois que c'est vraiment la première fois que je peux avoir accès à une telle densité lumineuse, une telle qualité picturale de l'image. Donc d'avoir accès à des projecteurs que finalement auxquels on n'a pas vraiment accès naturellement dans le milieu des arts ou en tout cas dans le milieu des centres d'artistes. C'est que quand je suis à l'atelier chez moi, je conçois les machines, mais n'ayant pas accès à cet environnement dans lequel je me trouve en ce moment, dans le cadre de cette résidence Kafka Christie, là d'un coup c'est vraiment l'occasion de pouvoir réfléchir sur éventuellement même où ce projet-là peut être amené, comment on peut le pousser, c'est vraiment finalement pour moi l'occasion d'observer et de prendre beaucoup de leçons sur les possibilités d'un tel système